Buenos días. Hoy estamos en Lyon y vamos a preguntar a los franceses qué piensan sobre los superhéroes. Est-ce que vous croyez que les super-héros existent dans la vraie vie? Non. Les Syriens, voilà, qui luttent depuis 7 ans. Les super-héros. De verdad? Ah non. Non? Non. Solo el tele. Quand c'est une telenovela, algo así. I do. I have one right next to me. It's my mother. She just got out of the hospital. So, she's a real life superhero for sure. Oh yeah? Yeah, and she has a fake eye. So. Ils existent dans le bonheur qu'ils apportent aux autres. Ils existent dans ce qu'ils font au quotidien, oui, dans la relation avec les gens. Je pense à Martin Luther King, Malcolm X, Nelson Mandela. Il y en a pas mal d'autres comme ça. Ah oui, ma maman. Ah, clairement. C'est beau. Ah oui, c'est beau. Hein. C'est très beau. C'est pour demander mon argent de poche. J'espère que ça marche pas. Si jamais Superman ou Batman se présentaient aux élections présidentielles, est-ce que vous voteriez pour un d'eux? Ah bah sûrement pas. Et pourquoi? Oh, je sais pas, mais c'est pas mon truc quoi. Sans savoir vraiment pourquoi, je dirais plus pour Batman. Moi Superman, je l'aime pas trop, je crois. Non, aucun des deux. Peut-être, je lui dirais, je suis maman. Maman, maman. Je serais pas trop tenté par Batman et Superman de prime abord, mais on sait jamais, on peut voir le programme qui présente eux-mêmes. Quand on ne vous propose que des muscles, ça peut être impressionnant. Au premier abord, mais je pense que ça n'est pas suffisant à mes yeux. Est-ce que Trump ou Poutine sont pour vous des super-héros pour leur nation? Je pense que certaines personnes les voient comme ça, ouais. Enfin, il y a une mise en scène autour du personnage, la façon dont il est présenté dans les médias, qui fait que un certain nombre de personnes doivent les voir comme des super-héros qui ont tout réussi, qui sont super forts, super riches et qui du coup sont hyper admirables. C'est pas ce que je pense, mais je pense que beaucoup de personnes les voient comme ça. Ouais. Non, parce que pour moi, un super-héros n'est pas un manipulateur et Trump et Poutine manipulent bien leur peuple. Ouais, parce qu'ils sont un peu fous dans ces pays. Je pense que Poutine a plus une carrière de super-héros que Trump vis-à-vis de sa population et vis-à-vis des gens qu'il représente, vis-à-vis des Russes, à mon avis. Il a beaucoup plus fait et il est beaucoup plus emblématique, à mon avis, que les Trump au niveau de ce qu'il représente. Non, absolument pas. Et surtout pas des super-héros pour le monde. Est-ce que vous pensez que dans le gouvernement français, il y a quelques extraterrestres cachés? Oui, en Corée du Nord. Il y a des gros cons, mais il n'y a pas d'extraterrestres. I was there yesterday. I drank too much and I was in the spaceship with them. Je les connais pas, je les regarde pas. À Macron, je suis sûre que c'est un extraterrestre. Ah oui, c'est certain. 100%. On est là encore dans la fiction. Hein? On n'est pas dans la réalité.